own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le traditionnel live du dimanche matin sur Uncharted, deuxième du nom, Among Thieves, qu'on a commencé vendredi soir, donc on est encore au tout début de l'aventure sur Uncharted 2. Merci d'être aussi nombreux, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Nous, on va tout de suite enchaîner et continuer directement là où on s'était arrêté la dernière fois. Quelle magnifique musique. Je sais pas si vous avez vu le film, mais je vous le conseille. Hein. Moi, je suis allé le voir au cinéma, il était génial. On va, let's go. C'est parti, on est toujours avec Sully. On n'a pas d'armes. On est au tout début de l'aventure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Gros changement par rapport au deuxième opus. Nate est beaucoup plus maniable quand on joue avec lui. Ah, il y a des armes. Un sniper, j'ai l'impression. Il y a Chloé. Pardonne-moi, et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Pour si peu. Il est en forme, lui. Active les détonateurs. Vas-y. On a placé la dernière fois. Déployez-vous, fouillez le périmètre. Go. Allez, c'est parti.
Tu connais pas Robin? Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. C'est un classique. C'est une saga de 4 jeux, on en est au deuxième. Et enfin, dans le deuxième, on peut éliminer discrètement. Ça, on pouvait pas dans le premier, ça change tout. Pour s'infiltrer, sachant qu'on a rarement beaucoup de munitions. Bon, là, je dis ça, j'en ai récupéré 56 d'un coup, mais quand même. Pas moyen de le choper de là? Ah, bah voilà. Fais dodo, toi. Maintenant j'ai un peu de tout, ça c'est cool. Yo! Salut Anto. Je ne suis pas sûr de te connaître. Je sais pas si t'es déjà venu sur les lives. Bienvenue à toi en tout cas. N'hésite pas à liker la vidéo. Salut Love. J'espère que tu vas bien. Oh mais t'inquiète, t'as pas besoin de te justifier. Hein. On a tous nos vies, hein. Y a aucun souci de ce côté-là. Tu veux pas bouger, je veux me mettre à couvert de l'autre côté, faire le tour. Oh punaise, y a lui qui me regarde aussi bien. Pour l'avoir en furtif, ça va être compliqué. Hein. Le truc, c'est que sur les live Rocket League. J'ai oublié de couper les musiques. Je ne mets pas les musiques de Rocket League pour de l'Uncharted. Merde. Pardon pour ce petit couac. Si tu veux, alors je mets vite pause. J'ai oublié de régler quelque chose. Donnez-moi une minute. Hein, je vais vous parler en même temps. Je vous prie de m'excuser. Bah, y a beaucoup de gens qui me parlent et avec qui je joue via les live Rocket League. Donc pardon si je retiens pas tous les pseudos. C'est pas volontaire. Vraiment. J'espère que tu m'en que t'es pas fâché pour si peu. Parce que vraiment, je fais ce que je peux. Mine de rien, je commence à avoir un peu de monde sur les lives et en abonnés. Et je ne peux pas retenir tout le monde. Voilà. Excusez-moi, j'en ai encore pour 30 secondes, même pas. J'ai un petit souci sur le PC. Et voilà, c'est réglé normalement. Let's go! Je retiens quelques pseudos, mais je ne peux pas, retenir tout le monde. Toi, c'est facile à retenir, c'est le pseudo le plus chiant à lire. Il n'y a pas moyen d'y aller en furtif pour ces deux-là. Ça serait mieux de faire tout en furtif. Tant pis. Sully, t'as un snipe. Tu pourrais tirer aussi, non? Ah, il est en train de viser. Bon, bah... Même en n'étant pas furtif, 2 balles m'auront suffi. Hein. Récupère les munes. Ça servira. Je pense qu'il y a encore d'autres ennemis. Ça me paraît trop facile. Ah, cinématique. D'accord. Oh, ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ce dossier. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala et... Depuis le 17e siècle. Bah pas de problème, merci d'être passé, Anthony. À bientôt. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Merci, c'est gentil, Robin. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Je vous explique après la cinématique. Attends, ça continue. C'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin. Un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi ? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors ? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver ? Shambhala. Là, yo ! On est où ? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas ? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct, jusqu'à Shambhala. Quoi ? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends ? Attends. Oui, je suis là. Ah bah ça, je pouvais pas le deviner, hein, poteau. Des dépouilles.
Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche ? Si, si, très louche. Vous iriez où en cas de tsunami ? Le plus haut possible. Ouais, dans une montagne. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas ? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Bon sang. Ils sont morts ! Oh, merde ! Dispersion ! Ça va fighter ! Les grenades. Cool, c'est pratique. On se disperse. Alors pour la faire courte, pour ceux... Ok, bon marché, à plus tard. Pour la faire courte, c'est un jeu d'aventure lors duquel vous êtes à la recherche d'un trésor. Vous suivez les différents indices petit à petit. Donc premier opus, on avait cherché l'Eldorado, le trésor de l'ancêtre, entre guillemets, de Nathan Drake, le personnage principal. Et puis là, on nous a engagé de base pour chercher le trésor de Marco Polo, un grand explorateur ayant réellement vécu. D'ailleurs, c'est un personnage historique. Et on s'est fait trahir par le mec qui nous a engagé. Et du coup, maintenant, on veut trouver le trésor juste pour l'avoir avant lui aussi, tout simplement. Voilà, il y en a 4 en tout des jeux qui sont de mieux en mieux. C'est des aventures absolument géniales et les personnages sont très attachants. Et il y a un an de ça, j'étais allé voir le film, parce que ça a été adapté en film. Enfin, ils n'ont pas adapté le premier, si vous voulez, ils ont fait un mix des 4 aventures, en fait. Voilà. Wow! Merde, j'avais pas vu lui en bas. Merde, j'en ai envoyé 2, j'ai pas fait exprès. Bon. Au moins, ça leur a fait mal, Je me disais, ça tirait près de moi. Il commence à me casser les couilles, lui. Oh merde. Et il fait le tour, en fait. D'où dans le mille, tu m'as pas eu, frère, je suis là. Non, ce soir, je fête Halloween avec des potes. Je suis pas chez moi ce soir. De toute façon, je ne fais pas de live le dimanche soir. Bon là, ça n'a rien à voir, je suis en vacances, mais le dimanche soir, c'est avant la reprise du boulot, le lundi, donc je ne fais jamais le dimanche soir. Je suis en train de crever. Faut plus que je prenne des dégâts pendant quelques secondes. Les indications de Tully sont pas toujours très précises. T'inquiète, je viens d'en tuer 3 de suite, ça c'est plutôt bon. Ah, ils attaquent Tully là-bas en haut. Avant qu'il le tue. Il s'approche de moi. Non, sans blague, tu crois que j'essaye de faire quoi depuis tout à l'heure? Défendre ton cul, non? Et voilà. Je vois pas les suivants. Mais demain, lundi soir, il y aura du live Rocket League. D'ailleurs, hier, on a gagné un tournoi avec Bletox et Volkov. Un tournoi diamant. Ah, j'ai pas un bon angle pour les viser, surtout. Ouais! Là, j'ai du mal à viser, ça vibre à fond, là. Ah, ils sont nombreux, là, maintenant.
arrête ça! Sully, t'es sûr que tu m'aides encore là? Ah merde, y'en a un ici. Enfoiré, toujours à venir à revers là. Allez, bien joué. Pardon si je regarde pas toujours les commentaires, là on est en pleine action, c'est pas évident. C'est compris, c'est les... Oh putain. Je me suis sacrifié pour Sully parce que j'ai pris des balles hein, pour le coup. Hein. Oh lui aussi hein, il me sauve et tout. Hein. Putain, il sait encore combien, il est sérieux. Ah c'est Sully. Ah ça a l'air fini. Alors tu disais, demain tu seras... Ah bah avec plaisir love. Pas de problème. Comment je remonte? Je sais plus par où on est venu, par là. Ah oui mais... Avec plaisir, Roban. Ah oui, je me suis souvenu. En tout cas, ça, il nous a envoyé une grosse équipe là. Hein. Ça a canardé dans tous les sens. Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Quoi, demain? Ah, les lives Rocket League en général, déjà, faut savoir que si vous êtes abonné, notamment en activant la cloche, moi, je programme le live dans la journée. Donc, quand tu vas dans YouTube, abonnement, tu verras Band to Play live avec l'heure à laquelle je live. Et je préviens plusieurs heures avant. Et je fais aussi, là, je fais ma petite pub, j'ai le compte Twitter de la chaîne, le compte officiel, où je présente le live avant également donnant l'heure. Donc si vous êtes abonné au compte Twitter avec la cloche, vous êtes prévenu aussi. Pourquoi je passe par Twitter? Parce que pour mettre des posts, pour prévenir sur YouTube, il faut minimum 500 abonnés que je n'ai pas. Mais comme le dit Lob, en général c'est 19h, mais ça peut changer. Hein. Oh ouais. Salut. Ah bah quand même, le trio est réuni. Qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Lumière, s'il vous plaît, on voit rien. Il y aura une cinématique ou je suis censé voir quelque chose et je vois rien? J'aurais dû fermer mes rideaux. Parce que là, avec mon écran, je ne vois rien, je sais pas vous. En général, 22h30 ou 23h30, ça dépend si on fait le tournoi de 23h ou pas. Ah, par là. Par en bas. Ouf! Je dirais qu'on a décroché le gros lot. Ah, oh, il doit y avoir des centaines de corps ici. Bah oui, logique. Les dents, elles sont complètement noires. Oh, merde, ils sont tous comme ça. Tu croyais qu'il y aurait un survivant Venir se réfugier ici pendant le tsunami. Il doit y avoir des indices par ici. Bah, c'est ce qu'on cherche, oui.
C'est assez impressionnant cette statue là. Classique. Hey, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici. Quoi? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Oh, une pierre. J'avais pas vu. C'est pas la première fois. On peut la brûler pour avoir un message. Ah bah là c'est pour la lumière en fait. Ouais, c'est un peu ouais, c'est pas mais Sully en fait, il le dit par humour, toi le truc con. Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. On dirait un vrai massacre. Sully, il a un humour particulier, tu verras. Voyons si elle mène quelque part. Ah, c'est beau l'éclairage en bleu comme ça. Oui, mais j'avais compris que je devais aller là. On s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est que le ça s'est effondré. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore là. Ça vous tombe pas sur la tête quand même, les gars. Parce qu'une pierre comme ça, t'es mort. Hein. Bah bravo, Sully. Andouille. La piste conduit. Une espèce d'andouille. Encore des cadavres. Oh mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, mec, tu t'es juste fait repérer. Elle aura peut-être pu garder la torche, non? Attention. Putain de merde. Je rigole. Crise cardiaque. Wow. Ouh. Ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Une dague. Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Ah, ça, alors, c'est une clé. Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement? Cette carte nous aidera peut-être. Ça doit être une clé pour ouvrir quelque chose. Alors certes, j'ai déjà joué aux 4 jeux de la saga, mais je me souviens pas des détails des énigmes. Quand je dis ça, c'est une impression. Je suis en train de vous spoiler ou d'être sûr d'avoir raison, bien au contraire. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit, c'est au Népal. Ouais, sauf que ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possède le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Il y avait rien d'écrit sur la carte, c'était une image. Hein. C'est ses connaissances qui lui permettent de savoir que c'est au Tibet. Hein. Alors, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Nate, c'est un historien quand même. Enfin, je sais pas son métier exact, c'est peut-être pas historien, mais c'est un pro. Hein. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Je le sens pas, cette histoire. On va se faire canarder, là. Je le sens pas. Ah, bon sang. Allez. Les mains en l'air. Ah, tu sais vraiment les choisir. L'affaire. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi, ce vieux Victor Sullivan, tu trimbales encore ce sac à merde avec toi? Tout doux, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux? C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle.
J'ai trouvé les. Allez, chais. Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Sorti de là-dessous. Wow. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde. Ah si, t'as raison, il y avait du texte. Un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. C'est le Flynn hein, qui nous a trahis au tout début de l'aventure, pour info. Je te jure que tu vas regretter la prison. On a envie de lui tirer dessus, là. Mais elle nous a pas trahis, elle nous a laissé la clé. Parce qu'il, pour moi, est une clé. Allez, on continue. Elle a pris une balle. Merde. Tu vas bien? Ah non. Ouais, bah, comme ça, ce sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Waouh. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Fait chier, et ils nous ont repérés. Bah, sans blague. Allez, là-haut. Il s'est pris pour Roman Reigns ou quoi? Grimpe, grimpe. Merci pour le coup de main. Par là. Ah, et merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On saute. Le saut de la mort. Moi j'ai dit ça pour rigoler. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok? On s'en sort toujours. Ouais, va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh, merde. Bon, on y va? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin! Yaha! Oh, merde! Fais chier. Il a sauté, celui. Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais, bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Mec ? Allô ? Regarde la route ! T'as pas changé d'avis, j'espère. J'y vois ? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Pas trop facile, quoi. Oh, génial. Tu peux les semer? J'ai bien peur qu'ils soient déjà trop tard. Ils ont pas la même qualité de véhicule, hein. Je connais mieux. Enfoiré. Cinquième chapitre. Chapitre, pardon, guerre civile. Oh non. Mais ils en ont pas mal. Oh, wow. Ah non, on a plus de larmes, enfin plus de munitions. Ok. Le vieux marché.
Et ça doit être par là. Trouvez-le! Putain. Allez, allez, allez! Ah, oh, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Tirez dans le feu! Éloignez-les! Merci à eux. Oh génial. Ça fait quelques munes. Oh, il y a une bonbonne de gaz. Je peux la faire exploser. Ça l'a pas tué, Jean. Oh, faut arrêter, les gars. Oh. Je sens que ça va être plus compliqué que ce qu'on nous dit. Oh, c'est quoi ça? Ça tire bien ça, le fail? On dirait. Merde! On passera pas par là déjà. Oh, je suppose que je vais pas passer par là. Tiens, non. Truc de côté. J'ai pas vu d'ouverture. Bon, je vais regarder à nouveau. On peut les jeter, c'est vrai. Merde. Comment on fait? Non. Comme ça. Après, tu tires dessus. Tu la jettes près d'un ennemi et boum. Passer par-dessus le bus? Non, c'est pas prévu pour passer là. Ah! Non. Ça devrait m'emmener en haut. Un P sur le panneau. Ah, d'accord. Merci l'indice. Ah oui, j'avais pas vu l'échelle. Il faut avoir confiance hein, pour marcher là. Enfin, grimper plutôt. Oh oh! Oh, j'ai pas confiance hein, quand tu vois le plancher. On doit sans doute un plancher de Spinali. Waouh. Oh. Bon réflexe de s'être accroché. Ah, on peut aller aux toilettes. Tu vas descendre là ou pas? Belle manœuvre. Descendre n'était sans doute pas la meilleure idée. Voilà. Là. Ah si, en fait, je pense qu'on n'avait pas le choix que de descendre pour arriver là. J'espère qu'ils m'ont pas vu, hein. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un soldat ici. Il est sans doute pas seul en plus. Cela, je peux le headshot, il n'y a aucun souci, mais... J'aimerais être sûr qu'il soit seul. Ah.
Oh, je les avais pas vus. C'est moi qui cherche ? Ou c'est les rebelles ? Mais bon, on est quand même dans une... lors d'une guerre civile, hein. Ils peuvent faire demi-tour à n'importe... Ah merde, ils sont là. Rainbowché. Oula, par contre, il y a du monde, hein. Plus on en éliminera de façon furtive, mieux ce sera pour nous. On est compté au moins 6. Ah, je l'avais pas vu, lui, dans le coin. Il est parti au moment où j'allais la voir. Non, pas là. Je vais bien te mettre à couvert où je te le dis, Nate. Ah, il m'a saoulé. Donc j'en compte 3 là-bas, 2 là-bas, donc encore 5 au moins. Est-ce qu'ils réagissent au cadavre de leur pote? Je n'en sais rien. Il y en a encore un là-bas en haut. Oh bah putain, là ça va castagner. Il n'y a rien ici, ok. J'aimerais bien qu'ils viennent, parce que là, je peux pas aller y aller, c'est en pleine rue. Ils vont me voir si j'y vais pour les tuer en mode furtif. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez l'idée d'un plan, n'hésitez pas, les amis. Pas de bonbonne non plus, hein. Non. Merde, trompé de touche, pardon. Elle est pas mal, cette arme. Yo, salut Volkov. Oh non, il y a des mecs avec des boucliers, maintenant. Ah, lui va m'emmerder. Oh merde. Je suis dans la merde. Merci pour les commentaires, hein, je regarde après. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Ah, il avait armé une grenade quand je l'ai tué, en fait. Ça doit être ça, l'explosion. Il en reste un vers là-bas. C'est bon, je pense. Bon, on va essayer de récupérer des munitions. Salut! Oh, et t'as toujours encore ton pseudo, toi, c'est horrible! Bienvenue, merci d'être sur le live. N'hésite pas à liker la vidéo, poteau. Si c'est pas déjà fait. Merci à Volkov d'être passé. Bien joué à Roban pour sa victoire à Rocket League. T'es quel rank là, Roban? Ok. C'est bien d'avoir gagné en 1v2, c'est pas évident. Hein. Oh putain, c'est pas vrai, des boucliers man. Non?
Ah, ça c'est pas moi. Oh, c'est Chloé. On dirait que bien joué, là. Pour te sauver la mise. Merci, Chloé. Ouais, mais c'est une belle mise à sauver. Ah. Oh, ce ne serait pas une ancienne dague rituelle tibétaine que je sens dans ta poche? Peut-être parce que je suis content de te voir. Fais gaffe. La fameuse clé. Effectivement. Le passeport de Marco Polo pour Shambhala. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, j'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est que Lazarevitch n'ira pas très loin sans elle. À ta place, je le sous-estimerais pas. Flynn et lui sont en train de mettre la ville sans dessus dessous. Ils détruisent tous les temples les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nate? Je déteste quand tu fais ça. Regarde ça. Est-ce que tu vois ce symbole? Ouais. Regarde là-haut. Ok, je vois la ressemblance, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait comment Marco Polo a trouvé le prochain indice. Le temple qu'on recherche va porter la marque de cet emblème. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le trouver. Je sais pas si tu as intégré le fait qu'il y a des centaines de temples dans toute la ville. Oui, mais si on pouvait prendre de la hauteur pour observer... On pourra repérer notre aiguille dans le tas de foin. C'est ça. Ouais, bien vu. Il y a un hôtel pas très loin d'ici. Chloé, c'est pas le moment idéal. C'est de loin le plus haut bâtiment de tout le secteur. C'était pas une proposition sexuelle, oh, Nathan. Bon, ok, c'est... Suis-moi. Ok. Andouille. Une espèce d'andouille. Let's go, on continue. On récupère un max de mun. Hein. Parce que je sens qu'on va encore castagner. T'as besoin d'aide ou... Ah, ça va pas. C'est verrouillé. Attends-moi ici, je vais voir si je peux trouver un passage. Ok, on va faire le tour, je suppose. Par en haut. Non. Faut que je trouve un chemin. On va remonter ici déjà. Ah, indice. Ah bah c'est là que j'allais aller. Donc c'est plutôt bien. Ah non, c'est pas de là qu'il parlait. Salut Quentin, tu vas bien? Ah, le panneau! Oh, j'ai failli m'en parler, là. Ouais, ça va très bien, merci. Voilà. Merci de faire ce que je te demande, Nate, et pas l'inverse. Corbeau. Maintenant, faut trouver comment redescendre et ouvrir à Chloé. Avant de se faire canarder par les ennemis. Oh merde. Ils sont quelque part par là. Bah, si je descends, ils vont me voir, hein, ça c'est clair. Oula, ils vont la trouver. J'ai presque tous eu d'un coup. Putain, elle veut que je l'aide, elle a vu la position dans laquelle je suis. Oh non. Le mec avec le bouclier. Yes, on l'a eu.
Merde, je me suis trompé, je voulais pas cette arme, bon tant pis. Ok, d'accord, j'ai vu où il était. Il est pas mort en fait. Je me demandais qui me faisait des dégâts. Ok, derrière moi. Il commence à saouler lui. Je peux pas mourir plus vite. Faudrait que tu me portes. Je crois que je peux atteindre l'échelle. Ouf. Ah là. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. Oh 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 oh. Comment... Oh c'était... Ouais, ouais, bref, je vais pas faire de commentaires. J'espère que vous avez compris quand même ce que Nate a dit. Vous avez eu la ref. Allez! Sérieux, tu pouvais passer en dessous que de me faire gaspiller 3 balles. Allez, par ici. C'est bon. C'est quand tu veux. Je vais pas me prendre une écharpe. C'était chevaleresque. Une pigeonnière, une volière, non? Non, même pas, non. C'est juste qu'ils sont venus squatter. Ah, des rebelles. On dirait que c'est mal barré pour la résistance. Ouais. Ça va être coton. Tu crois? Ouais, on devrait peut-être aller à l'hôtel par un autre chemin. Pour éviter d'affronter tous ces gars. Excuse, mais tu peux pas servir de cette grenade? Si, figure-toi. Je vais les contourner par là et interrompre leur petite fête. T'es sûr d'oublier personne? C'est là que t'interviens, chérie. Tu dois te charger de ce type. Mais fais-le en silence. Fais-le en silence. T'es sûr de ton coup? Ok, on a compris, faut pas se faire repérer. Mais c'est une blague! C'est lequel que je dois dégager? Celui dans le camion, sans me faire repérer. Ça va être coton. Il y a du peuple, hein? Il va me voir, là. Non, ça va, j'ai de la chance. Par contre, si c'est vraiment sans me faire repérer, ça en fait des mecs à passer. Il y a l'autre derrière aussi. À savoir lui, là. Ok, à plus. Il va voir le corps. On va tenter. Il est où? Oh, un lance-roquette! Oh, en plein dans le bide! Hop, le headshot! Première fois que j'ai un lance-roquette dans le jeu, c'était cool. Merde. Je
C'est plus facile pour eux, ils défendent une position. Nous, on avance, on veut avancer. Par contre, j'aime bien cette arme. J'hésite, je vais garder le Uzi. Ça manque de précision, mais j'aime bien. Ah tiens, je t'avais pas vu toi. Oh le bug. Attention. Enfoiré. Plus de balles. Faut changer d'arme, c'est pas grave. On aura plus de mun. Voilà, voilà, voilà. Ils sont encore combien là-dedans et... Il y a des bugs, les gars ils font des TP quoi, ils sont cool dans Rocket League Rumble. Ils font chier les deux là-bas. Attention là. Merde. Yes, je voulais faire le strike avec la bonbonne. Je savais pas que je pouvais zoomer avec ça. Pas zoomer. Tu me comprends? Il y a de la mune de partout, hein. Où ça? En voiture. On a bien fait de venir là en fait. On était bien placé pour qu'ils puissent pas utiliser leur truc dans le camion. Surprise! Son bouclier, il tient pas 10 ans avec ce que je lui envoie dans la tête. Hein. Oh la vache. Ouais, je crois que c'était le dernier. On doit grimper à l'hôtel, ok. Laisse-moi juste prendre des munes. Pas trop max. On est encore vu. Là. Et voilà. Quoi? Par ici. Ouais, j'arrive. Oh là, tout un... Qu'est-ce que tu cries comme ça? Je te demandais de descendre. Je crois que c'est le seul moyen. Allez, soulève-moi. C'est parti. C'est bon. C'est bon? Ouais. Vas-y, descends-nous l'échelle. Faut grimper. Sans blague. Il y a une échelle, j'avais pas compris tout seul. Hein. Parfait. Bon, RAS. Y'a pas une autre entrée? Pas d'ici. Ouh.
vraiment très utile. Non! Mais t'es con, Nate! Pas du tout ce que je lui ai dit de faire, en plus. Une espèce d'andouille! Voilà. Il y a des armes. C'est pas bon signe. Ouais, c'était sûr. Ouais, bah, tu peux le dire. Ah, il est... C'est un sac à PV, celui-là. Et tout de ouf. Il y a le deuxième, non? Ah, il était mort avec ma grenade. Ok. Il y a beaucoup d'AK-47 quand même ici. Hein. Oh punaise. C'est désagréable. Ça doit venir du générateur. Aide-moi un peu. Encore un peu. Nate, bouge. Ça bouge pas. Je dois rétablir le courant pour sortir de là. Est-ce que ça va aller? Ouais, j'aurais dû apporter un peu de lecture. Oh, touche pas, Nate. Hein. Là, tu vas crever. On dirait que le coupe-circuit est au dernier étage. Bouge pas, je vais m'en occuper. Ah là, on va monter. Ça va être de la castagne tout le long. Cool. Plus de jeu et une fille est piégée. Bon sang, si jamais un zombie déboule au prochain tournant... Faut pas se louper là, hein. Vous avez pas de deuxième chance. Hein. Finalement, on est plus bas qu'avant à cause de ça. Mais pourquoi nous forcer à utiliser des munes? C'est chiant. Il est mieux celui-là. Mais il y a moins de munitions donc, non? Oula. Oh putain. Merde, il était pas mort. Ok. Hein? Hey! Alors c'est moi, il y avait le corps. Ah, c'est ma faute, j'ai été négligent. Et voilà. Au calme. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'ils sont pas là-haut. Il est où le mec qui me tue? Je vois pas d'où on me canarde. Ils sont où? Vous les voyez vous? C'est allé où?
baisser la tête. J'ai pris tarif. Hein. Re. Et des armes, c'est pas bon signe. Et que ça, ouais, c'est là-bas au bout, on va se battre. Je vais leur balancer ça, tiens. Ça a servi à rien. J'ai failli crever, hein, vraiment. L'op, t'es revenu pour du fail. Hein. Désolé. Pas été très bon là. Il y a des bonbonnes de partout. Ils se sauvent tous au gaz ou quoi ici? Dans ces pays. Du fail, c'est quand on joue mal, qu'on se rate. Un fail, c'est un raté en anglais. Nate ? Oui ? Tu m'as quand même pas oublié, hein ? C'est bon. Comment je remonte? Pas par là, tout simplement. Super. Bien. On y est presque, allez. Elle y est. Ah bah, de quoi? Ah, c'est parce que j'étais en train de... Bah, j'avais venu de faire une connerie, j'ai failli crever, quoi. C'est d'où ma phrase. C'était pas contre toi spécifiquement. J'ai dit que tu revenais pour du fail. Et pas de chance. Wow. Hey, regarde ça, Marco. Vraiment? Allez. Non. Marco. Polo. Hey, comme un poisson hors de l'eau. Quel manque de professionnalisme. Oh, ça va, Ego. Ah, c'est là ou pas? On doit se mettre pour voir la ville. Pour essayer de repérer le temple. Ouais, c'est ça. Bon, allez, maintenant qu'elle est montée ici, je pense qu'on va venir là. Hein. Ah, il y a un temple là-bas, au bout. Ça serait peut-être celui-là. Il y a une cinématique à déclencher ou il y a un bug, vous m'expliquez? Bon, par là. Ah d'accord. Bon, par là, moi je saute pas. Hein. Par là. Je suis censé descendre ou pas? Ça aura servi à quoi de monter si c'est pour redescendre? On n'a rien vu. Envie de faire du fail. Rien là.
Ah, ça m'intéresserait déjà plus. Ah, voilà. Encore de l'escalade. Ah oui, on peut aller encore plus c'est haut. Toujours la même chose. Ouais, c'est ça, c'était vachement mal indiqué, son par là. J'imagine qu'il y a une cinématique, voilà. Bien, on est arrivé. Bon, il ne reste plus qu'à trouver le bon temple. Ouais, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais, m'en parle pas. Peut-être qu'on pourrait... Oh, bingo. Le voilà. C'est celui-là. Ouais, forcément. Le temple qui se trouve installé au milieu des coups de feu et des explosions. On a de la chance. Nate, c'est là où Lazarevitch a son camp. J'espérais qu'on se dirigerait plutôt vers la direction opposée. Eh bien, à situation désespérée. Drake a été repéré dans le secteur 18. Ah, formidable. Tu crois qu'on a une chance d'être dans le secteur 19? Retournez la ville, trouvez-le et descendez-le. En plus, on est bien en hauteur, bien visible. Ils veulent pas, l'enfoiré. Ok, il est temps de partir. Allez, Nate, faut y aller! Non, il y avait une touche pour ça, j'avais déjà appuyé, on remonte. Oh là, t'es sérieux? Tu peux passer normalement, abuse pas, frère. Bon sang, mais comment on va passer? Là. Oh, attention. Oh putain. Je suis là, Drake. Donne-moi la main. Vas-y. On n'est pas passé là où on voulait, du coup. Wow, 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 wow. Remonte, remonte. On va peut-être garder l'arme automatique pour l'hélico. Foiré, il est venu à bout. Putain, il m'a aggro lui. Oh, dans la tête, le headshot. Eux, ils sont bien. Oh. Ah merde, j'ai pas vu l'hélico, il était derrière moi. Ah, il bouge beaucoup, je pense, l'hélico, tout simplement. Fais chier, toi. Ah, et c'est scripté, vous pouvez pas le descendre, là. Pas eu le temps de le tirer là-dessus. Bah, je pense qu'on est censé se débarrasser de l'hélico quand même. À tenter. Il parle, elle est blindée sa vitre. Ah, je pense qu'il faut quand même faire avec la bonbonne. Faut juste que je prenne le temps. Oh putain, mais il est con. Je pas assez près de l'hélico. Y aurait-il encore une bonbonne? Ouais, ici. Alors faut juste continuer d'avancer. Hein. Et j'ai utilisé mes munitions pour rien. Ouais, c'était ça en fait. Oh la vache. Boum boum boum. Hein. T'es marrant, c'est pas toi qui t'es pris ça dans les dents. Hein. Ouais, c'est génial. Ici.
Non, 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 pas l'ascenseur. Pas faux. Avant qu'il nous tire dessus de côté, là. Wow, j'ai entendu une rec... Oh merde, ça m'a tué. Bah là, je pouvais rien faire. Ah, lui, il était con. Il aurait dû me voir venir. La porte là, on peut passer? Oh, non. Merde. Et merde. Mais il sort d'où lui? Je comprends rien ce qui se passe. Ah merde, mais je comprends pas en fait, je vois pas devant moi donc c'est chaud. Hé, hey, il tombe tout seul! Regardez, je touche pas la manette! Non. J'ai un gros bug! Ah, c'est bon. Heureusement, ça le refait plus. J'avais peur d'être stuck. Ça va faire mal. Oh, ça a dû faire mal. Bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça sent pas bon. Oh merde! J'ai toujours pas compris d'où il sort lui, hein. Déjà tout à l'heure, hein. Pas se faire écraser par les meubles. Non, non! Ouais, ça va. C'est pas fini, l'hélico, je l'entends plus, c'est pas bon signe. Un splank. Ça me paraît haut, non? Mais je vois rien d'autre. Ah bah non, c'était pas ça. Espèce d'andouille! Par là, allez! Hé, hey, j'avais ramassé une arme. Je crois que c'est la basse saison dans cet hôtel, non? Allez. Ah oh non, on est nouveau dehors, il va y avoir des ennemis. Enfin, l'hélico. Ce flingue, il a pas beaucoup de munitions, mais une balle, ça tue, quoi. Un pont? Cool! Ouais, carrément. Les troupes de la résistance ont mis ça pour passer entre les toits. Ah, on a du bol. Il avait un lance-grenade. Oh, je veux trop tester. Ah, c'est pour l'hélico. C'est pour ça qu'on nous l'a donné, c'est obligé. Faire
Le problème, c'est que j'ai plus que ça. Y'a pas un gun. Voilà. Comme ça, je garde mes grenades pour l'hélico. Nate, attention. Allez, c'était sûr. Merde. Vite, recharge. Merde. Pas vrai, je suis nul. On va recharger peut-être d'abord. Censé le toucher combien de fois? Ah putain, il est pas seul en plus. Petite bite, il vient avec des renforts. Ouais, encore quelques coups, ça se voit. Hein. Merci, Roban. Il a failli me tuer. Oh, genre, je l'ai pas eu, là. Il est où, cet enfoiré? Ouais, je l'ai eu. Allez, rip. Ah, j'adore la position du mec qui est là. Allez, qui est mort. Regardez. Quoi, oh, baisse le pont, t'es où, toi? Ah, là, ok. Bon, l'hélico en moins, ça devrait être plus facile pour nous. On va peut-être recharger, parce que ça, si on doit le charger sur le champ de bataille, ça va pas le faire. C'est super lent. Ouais, allez, le lance-grenade, on va le laisser. On aura besoin de... On aura pas spécialement besoin de ça. On sait aller où? Tu me gênes, Chloé. Merde. Là. Oh, le miracle, j'ai cru que je tombais. Yes. Un Wes. Oh, j'ai failli me botcher sur mon saut. Hey, ce câble, par ici la sortie. Go, go. C'est bon, ça va. Ah ouais, j'avais appuyé pour le prendre moi. Oh, la vache. Ça fait trop mal. Tu m'étonnes. Je vais trouver un moyen de descendre. Parfait. Yeah.
Non, fallait bien descendre. Hein. Au calme. Ah voilà, cinématique. Oh, hey, tirez pas. Hey. Oh. Nate. Mais qu'est-ce que tu fiches là? Jeff, non. Attends. Tu connais ce type? Ouais. Lui, c'est Drake. Le retour d'Elena, on l'a pas vu sur ce deuxième opus pour l'instant. Trop content. Désolé. Que tu fais dans cet endroit, hein? Tu vas piller deux ou trois temples, dévaliser le musée? Content de te voir aussi. J'imagine que t'es ici pour une noble cause, hein? En fait, on poursuit un criminel de guerre en cavale. Lazarevitch. Zoran Lazarevitch, ça te dit quelque chose? Et l'OTAN, il fait quoi? Pour tout te dire, il pense qu'il est mort. Mort dans un raid aérien. Ah, et t'es là pour prouver le contraire. Tu sais quoi? Ce type est vraiment un monstre, Nate. On parle de torture, de mutilation, d'exécution massive. Mais tu vois, maintenant, il prépare autre chose. Mais pourquoi ici? Pourquoi détruire toute la ville comme ça? Ça rime à rien. Oh. Non. Non, ne me dis pas que t'as quelque chose à voir avec ça. N'importe quoi. Ah, t'es là, Nate. Je crois que je les ai semés. Oh, 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 tout va bien, Chloé. Ce sont des... journaliste. Ah. Bon. Il faut qu'on avance si on veut garder une longueur d'avance sur Lazarevitch. Alors, Oh, je rêve, Nate. Et attends. C'est pas ce que tu crois, Elena. pardon, mais il y aurait pas un petit passif, là? Ah si, si, c'est son ex. Le modèle de l'an dernier. Non. Je suis content que tu trouves ça drôle. Bah, c'est juste que je t'aurais jamais imaginé avec un cul pincé fadasse. Elle est bien plus coriace qu'elle en a l'air. Merci. Oh, quoi? Elle t'a brisé le cœur. Oh, arrête. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est peut-être moi qui ai brisé le sien. Oh oui, Casanova. Faut qu'on avance maintenant. Attends. Ils viennent avec nous. T'es pas sérieux? Si, je le suis. Je peux pas les laisser planter là au milieu de ce bordel. Mais ils vont nous ralentir. Et si on se prend... Si Lazarevitch nous capture, toi et moi ensemble... Je les laisserai pas tomber. Tu n'es pas obligé de toujours jouer les héros, tu sais. Bah si, c'est le principe du jeu vidéo. Nate. On danse toujours avec celui qui vous a amené au bal. Ok. J'ai compris. Mais ils viennent quand même. On n'a pas besoin d'aide, Nate. Tu vois? Tu vas peut-être changer d'avis. Merde. Courez. Oh là là, encore un. Attention. Oh voilà les amis, j'attendais la fin d'un chapitre pour pouvoir sauvegarder. C'est là-dessus qu'on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui, la dernière fois que j'ai joué, c'était en 2017, je viens de m'en rendre compte. C'était il y a plus de 5 ans. Alors j'espère que ce live vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à ceux qui ont liké la vidéo, etc. Et merci aussi à ceux qui le regardent peut-être au moment où vous m'entendez en rediffusion. On se retrouve normalement, on continue cette aventure vendredi prochain, en soirée. Même si vous savez que c'est le live du dimanche, je profite des vacances pour avancer un peu plus sur le jeu. Donc BTB à tous et à très vite les amis. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.